Bienvenue dans ce 7e épisode sur la suite parentale. Alors au programme aujourd'hui, c'est 20 mètres carrés de chape pour recevoir le futur carrelage et un bac à douche maçonné. Alors concernant la douche, j'ai vu que j'ai mis un polyane au sol, c'est tout simplement pour éviter que le mortier accroche. Je vais le faire en deux fois. On va faire la chape et ensuite le bac à douche. Je ne sais toujours pas si je mets un siphon de sol centré ou un caniveau au fond de la douche. Alors vous avez vu aussi que j'ai mis une bande de désolidarisation tout autour de la pièce. Donc là, on est dans la zone de la salle de bain. Là, ça va être le placard, l'entrée. Et là, la chambre. Donc, bande tout autour, en plus du polyane qui remonte sous le placo. Bon, je fais une parenthèse vite fait. Vous avez vu qu'on est passé de la chape à cette caméra. Alors, je vous montre pourquoi. Ça, c'est le montage de la vidéo que vous êtes en train de voir en ce moment. Je repose la caméra, voilà. En faisant le montage, je me suis dit que j'aimerais bien vous parler d'une chaîne YouTube que j'ai découverte via Instagram. C'est un artisan sur Paris qui rénove entièrement une maison de 150 mètres carrés. Tout corps d'état confondu. Il bosse bien, il explique bien, son contenu est intéressant. Donc, je trouvais logique de vous en parler. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer le chantier de la chape et du bac à douche maçonné. Et je vous en reparle à la fin de la vidéo. Je vous mets tous les liens vers ces différentes chaînes. Allez, à tout à l'heure. On va ajouter de la fibre dans le mortier. La chape va faire entre 5 et 6 cm. On aurait pu mettre un treillis, mais la fibre, ça marche plutôt bien. Alors pour la chape, j'ai demandé de l'aide pour les 21 mètres carrés. C'est plus facile à plusieurs que tout seul. Seul, j'aurais certainement passé ma journée à 4 pattes dans le mortier. À plusieurs, en 1h30, c'est terminé. Allez, je vous laisse regarder ça tranquillement et je reviens vers vous pour le bac à douche. Bon, c'est parti pour le bac à douche. Alors, je commence par découper la dalle pour le futur siphon de sol. La solution de facilité aurait été de faire une seule pente avec un caniveau au fond de la douche, mais vous vous souvenez que le propriétaire a des soucis pour se déplacer. Imaginons qu'il utilise un fauteuil roulant pour aller dans sa douche. Avec une seule pente, le fauteuil partirait tout droit. En mettant l'évacuation au milieu, forcément, je me retrouve avec 4 pentes. Donc, le fauteuil sera stabilisé au milieu de la douche. Alors, une fois que c'est découpé, un coup de burineur pour casser tout ça.
Allez, je suis gentil, je vous ai passé l'étape d'évacuation des gravats. Voilà ce que ça donne. Alors forcément, le tuyau de sang n'est pas dans l'axe de mon évacuation. Vous vous souvenez que c'est le tuyau que j'avais changé, mais il partait déjà de travers. Alors ce n'est pas grave, on va rattraper tout ça. Bon, je vous montre le siphon de sol. C'est un Delaby. Alors moi, j'aime bien travailler avec Delaby ou Presto pour ceux qui connaissent. La grille est en inox brillant de 150 par 150 mm. La sortie est en diamètre 40. Je vais avoir moins de 90 cm en 40 et ensuite, on part dans du 100. Le diamètre 40, c'est vraiment le minimum pour un siphon ou un caniveau de douche. Le mieux, c'est en diamètre 50. Si je n'avais pas envie de m'embêter, je mettrais directement un coude à 90 degrés, mais ce n'est pas top. Le mieux, c'est de casser le coude en mettant deux coudes à 45 degrés. Dans mon cas, avec trois coudes à 30 degrés, j'arrive pile à la hauteur souhaitée. Au moins, si un jour je dois insérer un furet, je ne serai pas bloqué par un coude à 90 degrés. Alors, pour me repiquer sur l'évacuation qui est de travers, deux coudes pour me centrer par rapport à mon siphon de sol et ça passe nickel. Donc maintenant, on va coller notre tuyau, nos raccords. Alors, j'ai fait des repères au marqueur pour bien sûr savoir dans quel angle je devais les positionner. On met du décapant, on met de la colle, on emboîte tout ça et ça va tout seul. Bien sûr, idéalement, on fait un montage à blanc avant. On fait passer un peu au hasard. Une fois que le montage à blanc est fait, on fait ces petits repères au marqueur. Je vous dis, décapant, colle, ça s'emboîte tout seul. On vérifie qu'on est bon et on vient terminer de coller ces trois petits raccords pour remonter sur le siphon de sol. Et puis c'est fini. Par la suite, vous allez voir, je vais mettre du sable, ça va me caler tout ça. Alors maintenant que mon PVC est collé, le tuyau, les raccords sont collés, je verse du sable partout tout autour du tuyau, sous le tuyau, sur les côtés. Il faut vraiment que le sable pénètre partout. En aucun cas, c'est le béton qui doit caler le tuyau en PVC. Mon tuyau en PVC doit être recouvert de sable. Alors là, je vérifie le niveau. Bien sûr, il faut qu'il y ait de la pente. On voit qu'il y a de la pente, tout va bien. Maintenant que la pente est bonne, je vais pouvoir continuer à verser du sable, damer avec une petite massette. Alors le but, c'est pas de taper comme un fou, on va pas aller casser le tuyau en PVC, mais il faut vraiment que le sable pénètre en dessous. Là, vous voyez, plus je tape, plus ça me remonte le tuyau. Donc bien sûr, je vais reprendre mes mesures, je vais vérifier qu'on est bien centré par rapport à la zone de douche. Mais voilà, il faut vraiment que le sable pénètre partout. Et maintenant qu'on est bon, je vais venir coller mon siphon de sol. Alors, je ne le colle pas au hasard. J'avais fait des repères au marqueur avant. Donc, maintenant que je le place, je vais mettre la grille dessus et on va vérifier qu'on est bien centré par rapport à la douche. Maintenant qu'on est bon, on ne touche plus à ce siphon. On va venir mettre de l'eau pour nettoyer la dalle et aussi pour que ça arrose un peu le sable, histoire que le béton accroche mieux. Et on va venir couler du béton là-dessus pour sceller le siphon de sol. Et une fois qu'il va être scellé, on n'y touche plus. C'est fini. Là, je fais vraiment attention avec ma truelle de ne pas le bouger. Mais déjà, rien que le sable, il est calé, il ne bouge plus. Donc là, on lui verse du béton vraiment partout. Alors, vous avez vu que j'ai rajouté de la ferraille. C'est histoire de dire que je mets de la ferraille. Et avec la truelle, on vient lisser tout ça pour que ce soit propre. Et là, c'est fini. On va le laisser plusieurs jours sécher tranquillement. Donc voilà mon siphon de sol. Pris dans le béton, on le laisse sécher plusieurs jours. Bon, plusieurs jours sont passés, le béton est sec, le siphon de sol est scellé, c'est nickel. Alors, je nettoie la dalle avec de l'eau et un balai pour enlever les traces de colle, de sable, de poussière. Plus votre dalle sera propre et mieux ce sera pour le mortier. Alors, je ne voulais pas filmer, mais j'ai préparé du mortier fibré, ce sont des sacs tout prêts. Vu la quantité, 7 sacs, ça ne sert à rien de s'embêter à le faire soi-même. Alors l'idée c'est de faire deux guides, un au fond de la douche et un sur le côté. Les deux autres je les ai déjà avec la chape. Avec la règle, on dresse les guides de niveau. Alors désolé pour la prise de vue sur le guide du fond, je n'avais pas fait attention que la caméra était mal orientée. Alors petite précision qui a son importance, j'ai placé du scotch orange sur le siphon de sol. Le but n'étant pas de remplir le siphon de mortier, si on peut travailler proprement, autant le faire. J'ai également tracé au marqueur mes axes sur le scotch orange. Normalement, vous devriez les voir. Ces axes vont me servir pour le placement de ma règle lorsque je vais tirer le mortier. Alors, sur le plus grand côté, je dresse mon guide qui est de niveau par rapport à la chape et au guide du fond.
J'ai découpé dans du MDF des règles de différentes tailles pour pouvoir tirer mon mortier. Je vais venir prendre appui sur le guide et le siphon. Il suffit de tourner autour du siphon, ça va dessiner les pentes. Alors, on n'oublie pas de bien talocher et de rajouter du mortier là où il y a des manques. Lorsqu'on tire avec la règle, souvent ça tire le mortier et il peut y avoir des petits trous. Donc, on rajoute du mortier et on retaloche par-dessus. Plus la chape sera lisse et moins ce sera compliqué pour la pose du carrelage. Alors, je ne vous l'ai pas précisé, mais le carrelage sera le même dans toute la pièce, y compris bac à douche. Ce sera du carrelage d'imitation parquet et bien sûr, dans la douche, c'est de l'antidérapant. Donc là, vous voyez mieux. Avec la règle, je viens tourner autour du siphon. Ça me fait automatiquement ma pente. Donc ce qu'il faut, c'est s'appliquer, prendre son temps avec les différentes tailles de petits tasseaux qu'on a coupés au préalable. On vient tirer sa chape calmement, faut prendre son temps, c'est tout, il n'y a pas besoin de s'énerver et aller vite. Et bien sûr, il faut talocher régulièrement, faire en sorte que la chape soit propre, elle soit lisse, enlever le surplus de mortier, en rajouter quand il y a des trous et ça va aller tout seul. Donc là, j'ai placé la caméra différemment avec une vue sur le dessus, on va mieux voir. Donc on place son mortier, on le dame bien avec la truelle ou avec la taloche, peu importe. Et avec la règle, on vient tirer son mortier. Je la place donc sur la bombe, enfin sur le siphon, et avec le rebord de la chape, je viens de prendre appui et je tourne tout autour. On taloche, on rajoute du mortier et ça se fait tout seul. Ensuite, il suffit avec une truelle de nettoyer la chape, de lisser à certains endroits histoire d'avoir quelque chose de vraiment propre. Alors maintenant que les quatre pentes sont terminées, je vais vous montrer ce que ça donne avec une règle en alu. Entre le siphon et la règle, il y a 25 mm. Donc là, autant vous dire que l'eau va s'écouler toute seule. Alors, il y a quelques traces de mortier qui restent sur la chape, là, qu'on peut voir des petits grains de sable, des petits grains de mortier qui se baladent. Faut surtout pas y toucher et s'amuser à les enlever. Donc là, on va faire un saut dans le temps, la chape a séché. J'ai passé un coup de balai et les petits grains sont partis, c'est nickel. Bon, comme convenu, je vous parle de la chaîne en question dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est la chaîne French Rénovation. French, F-R-E-N-C-H. Plus loin, Rénovation, R-E-N-O-V-A-T-I-O-N, comme Rénovation. Donc, je vous montre vite fait l'écran. Hop, sa chaîne, c'est ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est pas grave. Je vais vous mettre un petit logo quelque part, des liens qui doivent apparaître en haut, un lien dans la description, comme ça au moins vous allez tomber sur sa chaîne. Donc French Rénovation, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est un artisan sur Paris qui bosse seul, qui rénove entièrement une maison de 150 mètres carrés. Tout corps d'état confondu. Donc carrelage, plomberie, électricité, parquet, même béton. Parce que c'est pour ça que je voulais parler de sa vidéo, enfin de sa chaîne dans cette vidéo, parce qu'il a coulé tout seul. Alors je dis le titre de la vidéo, la dalle, 3 tonnes de béton dans la journée. Donc il a coulé seul 3 tonnes de béton dans une journée. Donc c'est quand même balèze. Et puis son contenu est intéressant, il explique bien, c'est dynamique, il est méticuleux, donc... Honnêtement, c'est que du plus. C'est que du plus d'aller le voir.
Vous en apprendrez certainement sur sa chaîne comme vous en apprendrez sur ma chaîne comme vous en apprendrez sur d'autres chaînes. Mais voilà, moi, dès l'instant où je vais tomber sur des chaînes intéressantes, il me semble logique de vous les partager. Donc voilà, French Rénovation. Quant à moi, cette vidéo est maintenant terminée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo ou même bonne nuit parce que je me suis aperçu que je recevais des messages à 2h ou 4h du matin. Donc pour certains, il faut peut-être aller faire dodo au lieu de regarder des vidéos YouTube. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et puis en attendant, bien sûr, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez-la, mettez des pouces bleus, faites ce que vous voulez, faites-vous plaisir. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo.